Bonjour. Alors qu'on passe au déconfinement de la province, nous mettons en œuvre des mesures pour protéger le public. Lorsqu'on fait face à un ennemi invisible, le traçage et la recherche des contacts est absolument essentiel. Comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer. C'est pour cette raison qu'on a augmenté le nombre de tests de dépistage. Il y a eu plus de 2 millions. On a passé la barre des 2 millions de cas de tests de dépistage. C'est pour cette raison qu'on augmente les recherches des contacts. Il y a les gens les plus intelligents qui travaillent sur de nouvelles méthodes de traçage. Ils développent des outils pour lutter contre ce virus. Et alors que plus d'entreprises ouvrent et qu'on ouvre nos écoles, ces outils seront encore plus importants qu'auparavant. Et aujourd'hui, je suis ravi d'appuyer le lancement de la nouvelle application de traçage. Si vous ne l'avez pas téléchargée, faites-le immédiatement du App Store gratuitement. C'est une application qui a été créée en Ontario de la part de Shopify qui ont dévoué leur temps et leur expertise. Et je voudrais remercier les gens de Shopify et tous les services numériques. Vous êtes des champions. C'est une application qui assure la protection de votre vie privée. Ça a été fait en consultation avec les commissaires à la protection de la vie privée en Ontario, au Canada, pour assurer le plus haut niveau de protection de la vie privée. C'est très facile d'utilisation. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous n'avez rien d'autre à faire. L'application va vous envoyer une alerte si vous avez été en contact avec une personne qui a eu était un cas confirmé de la COVID-19. Ça ne va pas faire la collecte de votre information privée ou où vous vous trouvez ou des informations sur votre santé. Et le plus de gens qui téléchargent l'application, le plus efficace que ce sera. Donc, s'il vous plaît, téléchargez l'application et faites votre part. Ça va grandement contribuer à notre lutte contre le virus alors qu'on passe à la troisième étape du déconfinement. C'est pour cette raison qu'on a aussi mis en œuvre d'autres protocoles pour protéger les clients des bars et des restaurants. Ils devront être assis en tout temps et les entreprises vont devoir avoir un registre des clients. Ces mesures sont absolument essentielles pour assurer que nous puissions passer au déconfinement en toute sécurité. Et avant une longue fin de semaine, c'est important pour les gens de télécharger l'application et de continuer de suivre les conseils de la santé publique, parce qu'on a vu ce qui se passe si on n'écoute pas les conseils. Nos voisins, il y a un mois, entamaient la longue fin de semaine du 4 juillet et les écoles devaient ouvrir dans 4 à 6 semaines et les bars et restaurants ont ouvert. Cette longue fin de semaine, les gens sont allés à des parties, sont allés à la plage et ont agi, se sont comportés comme si la COVID était terminée. Et vous n'avez qu'à regarder les chiffres et à quel point ça a été dévastateur. Certaines régions ne permettent pas aux enfants de retourner à l'école. Les entreprises ont dû refermer et le nombre de cas est à un pic record. On n'a pas à emboîter la même voie. C'est à nous d'écrire le prochain chapitre. On doit continuer de faire la pratique de la distanciation physique, de porter un masque, de se laver les mains et d'éviter de grands rassemblements parce que c'est la différence entre la situation où nos enfants peuvent retourner en classe et de permettre aux entreprises de rester ouvertes. Donc, s'il vous plaît, soyez responsables et pensez aux autres. De la part de nous tous, je voudrais tous vous souhaiter une belle longue fin de semaine. Merci et que Dieu bénisse les Ontariens. Je vais maintenant céder la parole au ministre Bethlen Falvy. Merci. Merci, docteur Yaffe, pour tout votre très bon travail en ces moments difficiles. Je suis ravi de me joindre au premier ministre Ford aujourd'hui alors qu'on dévoile un autre outil dans notre lutte contre la COVID-19. Alors que l'Ontario entame le déconfinement de la troisième étape en toute sécurité, c'est encore plus important qu'on soit vigilant dans nos efforts pour lutter contre ce virus. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'être la première province au pays de lancer une application de traçage. Fier d'être la première province de notre pays à lancer l'application canadienne de notification d'exposition Alert COVID. This is a new made in. C'est une nouvelle application faite en
l'Ontario, qui va protéger nos familles, nos voisins et nos amis. C'est gratuit, c'est facile d'utiliser. Et c'est simple. And let me be clear. Et je trouve clair que votre sécurité, la protection de la vie privée, est la plus importante de nos priorités. Ça ne collecte pas vos données, l'application, et alors que je suis le ministre qui est responsable pour la modernisation du gouvernement. Je voudrais rassurer que nous avons travaillé avec nos homologues fédéraux et avec le commissaire à la protection de la vie privée pour assurer que votre vie privée est protégée et vos données sont protégées. Je vais expliquer comment cela fonctionne. L'application vous donne un code qui fait le suivi des autres utilisateurs par Bluetooth lorsqu'ils sont à l'intérieur d'un espace de 10 mètres. Et ce sont les seules données qui sont collectées par l'application pour une période de 15 jours sur une base de données canadienne. C'est un système d'alerte précoce. On peut connaître son exposition plus rapidement grâce à cette application. Nous encourageons tous les Ontariens à télécharger cette application et de l'utiliser. Le plus de gens qui l'utilisent, le plus efficace que ce sera. À télécharger et à utiliser l'application Alert COVID. Plus nous serons nombreux, plus cette application sera efficace et nous aidera à stopper la propagation du virus. L'équipe numérique en Ontario a mené le pas pour développer un produit qui fonctionne pour les gens. Le service numérique, en collaboration avec Shopify, a créé l'application pour qui a été offert au gouvernement fédéral gratuitement et en perpétuité pour développer l'application et son utilisation partout au pays. Je voudrais les remercier pour tous leurs efforts sur cette initiative de créer des outils tels que COVID Alert est un exemple à savoir comment nous bâtissons un gouvernement plus intelligent qui fonctionne pour vous. Nous allons tirer des leçons importantes de la COVID-19 au sujet de pouvoir se concentrer plus sur les gens et d'utiliser les technologies pour assurer la sécurité de nos communautés. Merci. Maintenant, aux questions. Première question de Lucas Meyer de Newstalk 1010. Allez-y. Bonjour. Premier ministre, le ministre Lecce a dû répondre à beaucoup de questions au sujet de son plan. Et avec les plus petites tailles de classe, je voudrais avoir vos commentaires, par contre, parce que facilement, c'est une des plus grandes préoccupations de la part des parents et des enseignants qui nous disent que même avec le plafond du nombre d'enfants, il y a des exceptions. Quelle est la possibilité d'avoir des plus petites tailles de classe dans les écoles primaires? Est-ce que vous en avez débattu? Est-ce que c'était un outil que vous avez envisagé? Les plus petites tailles de classe, on nous a dit que ce n'était pas complètement ignoré comme possibilité. Donc, quelle est votre perspective là-dessus? Réponse, je vous ai écouté à la radio, Lucas, nous avez comparé aux autres provinces. On a certaines des plus petites classes, tailles de classe au pays. Il y a 500 infirmières. Nous augmentons le financement de 309 millions de dollars pour les écoles. Nous offrons au conseil 300 millions de dollars de plus pour embaucher plus de personnel s'ils en ont besoin, 15 millions de dollars pour le nettoyage et 25 millions de dollars pour des services de désinfectants, de désinfection. Lucas, est-ce que ce sera un défi? Oui, est-ce que je suis sûr que ce sera le cas, mais est-ce qu'on a pu avoir les meilleurs conseils en santé des gens les plus intelligents au pays? Oui, tout à fait. Et en parlant de ces personnes les plus intelligentes, je vais céder la parole à la docteure Yaffe. Merci, Premier ministre. Je pense que nous savons tous que c'est idéal d'avoir la distanciation physique de 2 mètres entre 2 personnes, à moins que vous soyez dans le même cercle social, et de porter des masques aussi. Et généralement, c'est ce qu'on recommande et c'est ce qu'on fait, mais avec les enfants en plus bas âge, les preuves jusqu'à maintenant qu'on a vues dans le monde, c'est que les enfants de moins de 10 ans
ne sont pas aussi infectés et souvent ils sont asymptomatiques et ils ne transmettent pas le virus à d'autres personnes et c'est plus difficile pour eux de porter un masque, bien sûr. Et c'est au choix et nous encourageons les parents, s'ils peuvent le faire et les enfants peuvent le faire, de porter des masques et d'assurer une plus grande distanciation physique, de se laver les mains et de ne pas aller à l'école si vous êtes malade. Tout cela est important, tout cela contribue à la santé de tous. Et nous aurons à surveiller la situation et à savoir comment on peut améliorer les choses à l'avenir. Complémentaire, et Dr. Yaffe, si vous pourriez répondre à cette prochaine question, si vous pourriez donner plus d'informations où on pourrait dire à tout un groupe d'aller, de retourner à la maison et de tout se faire tester. Et vous avez dit, si, même si on soupçonne qu'il y a un test, qu'il y aurait des tests de dépistage, mais disons qu'il y a un tas positif, est-ce que ça veut dire que toute la classe aura à se faire tester? Si vous pourriez nous donner quelques scénarios où on doit faire en sorte que tout le monde ait à retourner chez eux. Réponse, c'est intéressant que vous me posiez cette question parce que tout notre personnel en santé a travaillé de très près avec le ministère de la Santé sur des scénarios tels que vous avez décrits pour que les écoles puissent comprendre ce qui pourrait se produire s'il y a un cas confirmé dans l'école. Parce qu'il y a beaucoup de préoccupations et d'angoisses. Je voudrais revenir et de dire que la santé publique a travaillé avec les écoles localement pendant plusieurs années. C'est ce que la santé publique fait. Ils travaillent avec les écoles lorsqu'il y a des cas de la tuberculose, la varicelle. Donc, ce ne serait pas le début d'une relation. C'est de bâtir sur des relations déjà présentes. Et la COVID, bien sûr, peut être une infection sérieuse. Ça crée beaucoup de préoccupations et c'est une pandémie. Donc, c'est pour cette raison qu'on redouble nos efforts. Premièrement, nous sensibilisons les gens et nous espérons que les parents prendront la situation au sérieux et qu'ils feront le dépistage eux-mêmes à la maison de leurs enfants et de ne pas les envoyer à la maison, à l'école, s'il y a des symptômes. Et s'ils sont à l'école et ils développent des symptômes, les enseignants seront formés à savoir comment isoler l'enfant et d'aviser leur gardien de l'enfant et de faire des tests de dépistage s'il y a le consentement ou si la capacité est là. S'il y a un cas dans une classe et c'est un groupe, l'enfant ou l'adolescent, on va faire la recherche des contacts à l'intérieur d'une distance de 2 mètres pendant plus de 15 minutes. Et donc, pour être sécuritaire, on prend l'enseignant et toute la classe et nous leur demandons de faire un test de dépistage. Donc, on doit avoir un accès rapide au test de dépistage et d'avoir des résultats rapides. Et s'ils étaient des contacts proches, leur famille, les gens qu'ils côtoyaient souvent, on leur demanderait de rester à la maison, possiblement toute la classe. S'il y a 2 cas dans la même classe, c'est la même chose qu'avec une personne. Mais si on commence à avoir différents cas dans différentes classes, et la question, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ils pourraient être des amis ou des frères, sœurs. Et est-ce qu'ils ils ont transmis le virus l'un à l'autre à l'extérieur de l'école? Et donc, l'effet sur les autres classes, sur leur classe, ne serait pas aussi pertinent. Mais si l'infection s'est produite en classe, bien, dans ce cas-là, c'est 2 classes qui pourraient être confinées. Et ce serait très rare en consultation avec la santé publique que toute l'école aurait été confinée. Je me souviens avec mon expérience avec la SRAS et avec la grippe H1N1, il y a eu beaucoup de panique et les écoles voulaient fermer. Mais presque jamais est-ce qu'on aura recours à cette possibilité. Bien sûr qu'il pourrait y avoir des circonstances comme celle-ci si le virus se transmet largement. Mais nous allons tout faire la recherche des contacts et d'isoler les gens et de tester les gens pour assurer la santé de tous. Prochaine question de Rob Ferguson du Toronto Star. Allez-y. Bonjour.
Juste pour continuer sur le rapport des foyers de soins de longue durée, on a recommandé 4 heures de soins par résident par jour. Est-ce que vous aimez cette possibilité? Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pensez que c'est trop? Est-ce que ce sera trop coûteux? Est-ce que vous aimez cette recommandation? Réponse, bien Rob, je sais que la ministre a reçu cette recommandation hier. Elle se penche sur tous les détails, mais sans aucun doute, on doit avoir plus de personnel. Est-ce que ce sera ce montant? J'aurai à regarder le rapport moi-même et de recevoir l'information de la part de la ministre. Mais sans aucun doute, on doit avoir plus de personnel et on doit appuyer les gens en place en ce moment. Complémentaire, je vais maintenant passer à l'application de la COVID-19. Peut-être la question s'adresse au ministre Bethlen Valvy. J'ai vu de l'activité sur les réseaux sociaux avec l'iPhone 7 qui ne pouvait pas télécharger l'application parce qu'on doit avoir le système d'opération iOS 13.5 ou un système opératoire plus avancé. Et qu'est-ce que vous recommandez pour les gens qui reçoivent ce message? Est-ce que il y a un type de téléphone en particulier sur lequel l'application devrait fonctionner? Réponse, c'est une très bonne question. Rob, j'ai posé la même question. 90 % des Ontariens ont un téléphone intelligent. Par contre, 90 % d'Android et ça fonctionne sur 80 % des iPhones. Peut-être que les iPhones n'ont pas été mis à jour ou n'ont pas la capacité d'être mis à jour. J'encourage pas tout le monde d'aller s'acheter un nouveau téléphone à cause de l'application, mais ce qu'on veut voir, c'est que les gens puissent télécharger l'application autant que possible. J'aurais voulu avoir mon téléphone dans ma poche parce que c'est gratuit, c'est tellement simple et ça nous permettrait de voir si on est trop près l'un de l'autre pendant une période de 15 minutes et ensuite, ça crée le lien entre nous deux. Et si on a la COVID-19 et ensuite, il y a une alerte qu'on reçoit et c'est de manière volontaire d'utiliser la clé pour savoir si on est trop près d'une autre personne. Les taux n'ont pas à être trop élevés pour que ce soit un bon outil pour être un complément à la recherche, au système de recherche des contacts. Donc, j'encourage tout le monde de la télécharger. Prochaine question de Christina Tenaglia de CP24. Allez-y. Bonjour. Bonjour, docteur, ministre, premier ministre. Ma première question est pour la docteure Yaffe. Je sais que traditionnellement, on a vu qu'après une fin de semaine, surtout lorsqu'il y a une longue fin de semaine, on voit une augmentation du nombre de cas de la COVID-19. Donc, commençons aujourd'hui. C'est la première fois qu'à Toronto et dans la région de Peel, ils peuvent se réunir avec plus de 15 personnes. Et c'est le cas pour la première fois depuis plusieurs mois. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une augmentation du nombre de cas parce que les gens pourraient participer à une fête quelconque? Et à Ottawa, où vous pouvez lier des fêtes privées avec des cas de la COVID-19, est-ce que vous avez pu le faire à Toronto en ce moment? Réponse, le nombre de cas, il y a des fluctuations, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Un des facteurs est si les gens se rassemblent de manière inappropriée, et s'ils ont été exposés à un cas de la COVID-19, la période d'incubation pourrait être de quelques jours jusqu'à 14 jours. Donc, il pourrait y avoir un délai de voir les répercussions de ce fait. On ne le verrait pas immédiatement. Aujourd'hui, les chiffres ont augmenté. Je pense que c'est à 134 cas aujourd'hui. Et je suis entré en contact avec le médecin hygiéniste en chef d'Ottawa parce qu'on continue de voir des cas là-bas. Est-ce que c'est encore des fêtes privées? Est-ce que c'est les bars? Est-ce que c'est à la suite du déconfinement de la troisième étape? On doit découvrir comment ces gens transmettent le virus et de mettre en œuvre des stratégies pour limiter cette transmission. On continue de surveiller et de se pencher sur les facteurs de risque et de savoir si cette personne a été en contact avec un autre cas ou est-ce qu'ils ont été à un rassemblement. C'est un bon rappel pour tout le monde, alors qu'on déconfine les communautés, les entreprises, les écoles.
L'application d'alerte à recherche du traçage, ce sont tous des bonnes choses, mais on doit se rappeler des éléments de base, le cercle social qu'on doit avoir sans protection, et sinon, essayer d'avoir une distanciation physique de 2 mètres entre vous et une autre personne. Et si ce n'est pas possible, portez un masque, lavez vos mains, ne sortez pas si vous ne vous sentez pas bien. Toutes ces choses qu'on doit mettre en place, parce que c'est tous ces éléments qui vont assurer la santé de tous. Et bien sûr, lorsque le vaccin sera disponible pour la grippe à l'automne, le recevoir et continuer de manger sain et de faire de l'exercice. Tout cela contribue à assurer votre santé. Et oui, n'allez participer pas à de grands rassemblements alors qu'on évalue les données. Et si Ottawa nous dit cela se produit encore, on doit tenter de trouver des moyens d'atténuer cette transmission. Mais c'est trop tôt pour le dire en ce moment. Merci. Complémentaire. Prochaine question est pour le premier ministre. Vous avez dit à plus d'une reprise que vous et le gouvernement alliez tout faire lorsqu'il s'agit des établissements d'hébergement collectif. Avec votre annonce pour l'examen, à quoi est-ce que ça va ressembler pour les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite? Réponse, avec les établissements d'hébergement collectif, c'est tout aussi important pour les personnes âgées parce que tout endroit avec un hébergement collectif, ce n'est pas extraordinaire d'avoir 4 personnes dans la même salle. On peut le réduire à 2 personnes et je pense qu'on devrait l'appliquer pour tous les centres, que ce soit des foyers de soins de longue durée ou des maisons de retraite. C'est important de limiter la transmission de ce virus dans tout établissement. Donc, nous nous penchons là-dessus et on va avoir une stratégie à dévoiler dans quelques semaines. Prochaine question de Laura Stone du Globe and Mail. Allez-y. Bonjour. Je voudrais revenir à l'étude sur la dotation des foyers de soins de longue durée. Les gens qui travaillent dans le domaine connaissent ces problèmes. Ils savent qu'il y a un dévastateur, un désastre qui plane dans ces centres et ils ne veulent pas attendre un autre rapport, une autre stratégie. Donc, ils vous demandent de vous engager à un financement immédiatement, de donner de l'argent à ces centres pour qu'ils puissent embaucher les gens qu'ils ont besoin, ce qui comprend des gens à temps plein avec des avantages sociaux. Est-ce que vous pensez que les maisons, les centres peuvent trouver une solution immédiatement? Réponse, on va investir de l'argent pour qu'ils puissent embaucher plus de personnel. C'est une priorité. Tout ce qu'on a, c'est à se pencher sur les détails et d'avoir les chiffres. La ministre a reçu le rapport hier. Elle est en train de l'examiner en ce moment. J'ai reçu de l'information plus tôt, mais on doit continuer de se pencher là-dessus. Je ne pense pas qu'on devrait attendre. On doit agir. Les foyers de soins de longue durée ont besoin d'aide désespérément, des équipements de protection, des infirmières et d'autres personnels de soutien. Un établissement a eu plus de 60 préposés au service de soutien à la personne qui ne se sont pas présentés. Donc, ça impose plus de fardeau sur les autres membres du personnel. Donc, on va trouver des solutions et on va être dans une meilleure posture. Rien ne sera parfait, mais on n'attendra pas pour agir. Tout ce comme on a fait, on a annoncé 1,75 milliard de dollars pour bâtir de nouveaux foyers de soins de longue durée. On va le faire tout aussi rapidement pour trouver une nouvelle stratégie. Complémentaire sur un autre sujet, sur l'application de l'industrie, de la construction, il y a des préoccupations concernant cela parce qu'ils ne peuvent pas avoir leur téléphone et quand ils travaillent. Est-ce qu'il y a d'autres technologies qu'on peut porter? Est-ce que vous avez entendu de telles préoccupations? Est-ce que vous demandez au gouvernement fédéral d'avoir une autre application, de fonctionner avec celle-ci pour ceux qui ne peuvent pas avoir leur téléphone sur eux alors qu'ils sont en milieu de travail? Réponse, vous avez parlé des chantiers de construction. J'ai parlé à Liuna. Ils ont leur propre application et ils veulent l'avoir sur les chantiers de construction.
Par contre, ce sera au gouvernement fédéral de décider à savoir si c'est permis ou pas. Prochaine question de Loretta Kopp de CBC. Bonjour. La première question est concernant les préoccupations, la confusion avec le plan en éducation, avec les plus jeunes, avec la possibilité de 30 élèves en classe. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils puissent assurer une distanciation physique? Et la deuxième est avec les enseignants, parce qu'ils seront en ligne, il y aura des classes en personne. Est-ce qu'on va s'attendre à ce qu'un seul enseignant fasse les deux? Et comment est-ce que ça va fonctionner? Réponse, nous avons les plus petites tailles de classe au pays. Si on se compare en Colombie-Britannique, qui ont un faible niveau du ratio d'élèves aux enseignants, ils m'ont dit en Colombie-Britannique, ça peut être de 60 jusqu'à 120. Donc, je pense qu'on met en œuvre des restrictions plus sévères lorsqu'il s'agit du nombre d'élèves en classe. J'ai toujours dit que ce n'est pas un plan de Doug Ford, c'est plutôt un plan de la santé publique avec l'hôpital SickKids et certaines des personnes les plus intelligentes en Ontario. Je vais toujours suivre leurs conseils parce que ce sont les experts, mais je vais peut-être demander à la Dr Yaffe de répondre. Comme je l'ai dit avant, ultimement, on voudrait que les gens puissent assurer une distanciation physique entre eux, à moins qu'ils soient dans le même cercle social. Ce n'est pas toujours possible et c'est à ce moment-là qu'on recommande un masque. Et pour la quatrième année et les élèves plus âgés, c'est obligatoire. Aussi pour les enseignants, c'est obligatoire. Mais pour les enfants de moins de 10 ans, et les preuves ont démontré que c'est peu probable qu'ils soient infectés ou qu'ils développent des symptômes et qu'ils ne sont pas la source d'infection pour les autres. Donc, on pourrait en apprendre plus, mais c'est l'expérience qu'on a vue partout au monde. Donc, on va faire de notre mieux, on verra ce qui se passe. Je pense que les enseignants et le personnel savent qu'ils doivent assurer une distance entre eux et les autres personnes. Et aussi, il y aura accès à ce qu'ils ont besoin pour se laver les mains. On va mettre l'accent sur l'importance de se laver les mains et de ne pas aller à l'école si les enfants sont malades. Et c'est au choix pour les enfants de moins de 10 ans de porter un masque. Et nous allons évaluer la situation. Complémentaire? Ma prochaine question est pour un collègue. Pour les paiements de la pandémie, et les anesthésiologues ont appris qu'ils n'allaient pas être admissibles. Ils travaillent avec d'autres collègues qui sont admissibles. Ils se sont mis à risque pour offrir des services aux patients. Pourquoi est-ce que ce groupe de travailleurs ne reçoit pas ce paiement, cette prime salariale, comme les autres travailleurs? Réponse, il y a 375 000 personnes qui sont admissibles. Moi, je me suis battu pour qu'il y ait plus de personnes. Il y a un montant limité de la part du gouvernement fédéral et de notre part. Mais si la décision me revenait, je voudrais que tout le monde puisse recevoir ce supplément. Mais on a consulté avec les hôpitaux et avec des services d'urgence, à savoir qui devrait le recevoir et qui ne devrait pas le recevoir. Et on a eu un chiffre très élevé, 375 000 personnes. Mais encore une fois, tout le monde a participé. C'est grâce aux efforts de tous, mais ce fut une décision très difficile. Maintenant, au ministre Bethlen Falvey. Merci, Lorena, de cette question. De la part de votre collègue, premièrement, je voudrais remercier le gouvernement fédéral pour ce programme de 1,5 milliard de dollars, et on aurait voulu en avoir plus et faire plus avec. C'est le plus grand programme au Canada. C'est le programme le plus important de prime salariale temporaire pour 375 000 personnes et plus même.
Mais on aurait voulu en faire plus. Par contre, il y avait des limites et plus de 2000 employeurs. Donc, c'est très complexe comme système. Je voudrais remercier tous les gens qui ont permis que notre province soit en toute sécurité. Et nous avons été très fiers de le faire rapidement. Et on va continuer d'appuyer les intervenants de première ligne en santé. Et comme le premier ministre l'a mentionné, on aurait voulu en faire plus, mais 1,5 milliard de dollars et plus de 375 000 personnes en Ontario, c'est pas mal comme programme. Merci.